Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce petit event du Nouvel An chinois. Avec donc l'arrivée d'un petit event de farm pour l'année du rat. C'est du gros jeu de mots, hein. Habituellement, c'est un guille sous roche, l'expression qu'on connaît si bien. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais. Oh, il tape en premier en plus. Bon, bah, très bien. Ah, oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a la maladie aussi pour baisser le potentiel offensif. Je n'y pensais plus, effectivement. Donc on a 50 places d'appuis pour la réussite. Sans biscuit de bonne aventure, c'est quoi ce truc? Bon, donc voilà les pièces dorées pour le pour ce qui est le farming des objets. Pas de magie, pas de limite, ok. Ah, mais j'ai. D'accord. Ouais, il faudra que je pense à faire ça quand même, à un moment donné. Non, mais c'est bon, Ling a un peu examiné, donc c'est parfait. Donc voilà Xingtian qui a donc une faiblesse feu, résistance donc de tout le reste des éléments. Actuellement il peut être mis sous cécité, mais je pense que sur la version la plus difficile, la proportion doit être de réussite de l'aveuglement et elle sera très faible. Donc voilà, c'est réussite, encore 50 lapis. Donc la sup. Un combo de 3 coups, un 5 tours max et pas de KO, très bien. Ramza, ça serait bien que tu fasses sa protection, mais de l'unité la plus faible à l'attaque préventive. Sinon, ça sert à rien, hein. Bon, il est quand même donc lié principalement à des attaques physiques, principalement donc.
à privilégier une couverture, faut que ce soit une couverture physique. On se garde la piste pour la réussite encore une fois. Et oui, j'ai pas pu faire mon combo. Ils sont rigolos, eux. J'avais tous les contreurs là, qui ne pouvaient rien faire. Magie noire, 3 fois des dégâts de feu. Oula, ça va être compliqué cette histoire. Et si on fait appel à une compétence qui tape plusieurs fois, est-ce que ça marche? Je pense pas. Sauvage, donc mob spécial d'ici. Bon, merci les mobs spéciaux. Hein. Voilà, et ça c'est un petit bonus qui pop comme ça de manière aléatoire. Ah, bien. Bah c'est bon du coup. Bon après vous pouvez voir Lee même du coup en version 6 étoiles. Bon là sans stuff hein, les points de vie sont quand même très bas par rapport aux autres unités. Donc voilà plein de gains. Et donc la légendaire pour finir. De limite, ça sera compliqué. Combo élémentaire, ça c'est bon. Ouais, ça le côté limite, je pense que ça va être compliqué cette histoire. Hormis pop de mobs spéciaux.
voilà, on va voir les deux limites, donc très bien tout ça. Je sais pas si c'était le troisième truc à avoir, mais... Ah oui, c'était... Non, c'était du... Ouais, c'était combo élémentaire, c'est ça? Dis pas de bêtises. Ouais. Bon, ça... Élémentaire, ça c'est le plus facile des deux à faire. On va dire Sakura, j'ai imbu bon la foudre malheureusement, mais déjà des fois j'ai imbu autre chose. Donc pour finir, on va aller voir un peu les diverses récompenses. Donc on a du jeton de machine, on a des matériaux d'éveil de unité, on a du ticket d'invocation rare, on a des potions de restauration d'endurance, on a une recette, on a des clés d'illumination, on a du manque de confiance. Voilà, et donc on a le palier max avec le ticket X 5 étoiles garanti à 30 000. Donc, ben voilà, hein, il faut ce qu'il faut certes, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour ces combats. Surtout pour ceux qui ne sont pas... Pour tous ceux qui ne sont pas aussi bien équipés que moi, bien sûr, hein, comme toujours. Vous êtes bon courage, et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler farming comme il se doit. Je vous dis à bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien!